situation très inquiétante. Le Congo et son peuple sont en train de faire face aux conséquences des élections chaotiques de 2018. Et là, nous sommes donc au bord d'une guerre civile. Le Congo est au bord d'un désastre et nous devons très rapidement nous arrêter, nous ressaisir pour trouver une solution politique négociée. La première solution, c'est une solution intermédiaire qui passe par un dialogue élargi, des négociations politiques élargies, donc un dialogue global et inclusif qui s'étend à l'ensemble des acteurs politiques nationaux. Nous devons tous nous retrouver autour de la table pour sauver le Congo du chaos et des disparitions.